Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre premier cours pour une presta cosplay réussie. Tout d'abord, le choix des personnages. Il nous faut quelque chose d'original. Du Vocaloid ? Sans rire les filles, vous avez rien trouvé de plus bidon ? Bon, continuons. Comme vous avez choisi du Vocaloid, surtout ne faites pas de chanson. Ce qui marche à tous les coups, c'est les prestas avec des rubans super bien chorégraphiés. Les filles, vous vous êtes entraînées avant de monter sur scène ? Mais ça va pas la tête ! C'était nul ! Vous entendez pas le public ronfler, là ? Bon, ok. Vous savez pas chanter en playback ? Vous savez pas faire du ruban ? J'espère au moins que vous vous êtes entraînés pour la suite. La danse ! C'est juste pas possible de danser aussi mal. C'est pas comme si vous aviez une chorégraphie à créer. On va finir par une prestation de combat. Mais vu comme c'est parti, j'ai peur. Vous savez même pas vous battre correctement. Mais qui m'a donné des assistantes pareilles ? Bon, et bien finalement, vous avez pu voir en un peu moins de 3 minutes tout ce qu'il ne faut pas faire en prestation cosplay. Et encore, je suis sûre qu'elles en ont encore en réserve. On les applaudit bien fort. Lynn Gagarini, Miku de Vocaloid.